Est-ce que vous pouvez nous appeler à la tombe à l'héros?
Est-ce qu'il y a quelqu'un parmi nous qui peut rencontrer le Dieu vivant ce matin? Par des paroles qui l'ont prend de lui dire ce matin. Est-ce que tu peux lui dire? Parce qu'il cherche de vrais adorateurs, de vrais. J'aimerais que tu sois parmi, et non des adorateurs, mais tu sois parmi des vrais. Est-ce que tu es un vrai ce matin? Est-ce que tu peux lui dire des paroles qui sont vraies ce matin? Est-ce que tu peux lui présenter des paroles qui sont vraies ce matin? Non, tu n'es pas en train de lui flatter, mais tu lui dis des mots qui sont vrais. Azanzabe, je t'apprends ce matin que Jésus nous a aimés. Son sang nous a rachetés. Hosanna, 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 au lion de la tribu de Juda. Hosanna, Hosanna, au lion de la tribu de Juda. Bien-aimé, compagne de Kimiate. C'est votre amitié, si tu as joyeux, compagne de Kimiate, devant nous, mon Dieu. C'est votre amitié, si tu as mandana, yo. Le signe de Banda, oh, mana yevite, yona yevoyevi. Le pauvre de Sikopani, mon beau frère. La grâce à mon tel est ma, oh, le lycée maloma. La grâce à mon tel est ma, oh, le maloma, oh, l'outina motte, mana yo, oh, l'isa ou l'ima motte, mana yo. Zamba zan zambe à sa vivant. Histoire, oh, mana yé, yona yevoyevi. Oyevi, ma camo, oh, yé, aïe, yonamo. Ma situation difficile, oh, zada l'obisa yo. Est-ce que tu peux commencer à lui dire, Seigneur, tu m'as aimé? Je sais que tu m'as toujours aimé, Jésus. Et moi, ce matin, j'aimerais te dire que je t'aime aussi, Seigneur. À la croix, tu as tout accompli, oh Jésus. À la croix, tu as tout accompli, oh Jésus. Jésus, Jésus, Jésus. Jésus, tu m'as aimé. Ton sang m'a racheté. Gloire à l'agneau de Dieu. Hosanna, amen. Jésus, tu m'as aimé. Yes. Ton sang m'a racheté. Gloire à l'agneau de Dieu. Hosanna, amen. Commence à réaliser, son amour dans ta vie. Commence à réaliser son amour dans ta vie, Jésus. Aïe, 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 Jésus. Commence à réaliser son amour dans ta vie, Jésus.
Ce soir, ce matin, Asa Awa, il est parmi nous. Je le dis encore, je le redis. Yeshua, est-ce que tu peux te lever là où tu es? Est-ce que tu peux te lever là où tu es? Parce que Jésus, il est là. Il est en ce lieu. Je te présente Jésus, ce matin. Je te présente Jésus. Yeshua, 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 Yes.
n'y a point d'autre. Nous sommes là pour t'élever, t'exalter, te louer. L'incomparable, l'incontournable, l'incommensurable. Tu es celui que nous bénissons plus haut, nous élevons ton nom. Toi qui as vaincu la mort, toi qui as vaincu les diables, nous voici en train de te bénir. Seigneur, nous avons besoin de toi. Parle-nous, communique-nous ta pensée au travers de ta parole. Adonai, que tous ceux qui ont des blessures internes soient guéris par ta parole. Que tous ceux qui ont des problèmes trouvent une solution au travers de ta parole. Nous voulons que ta parole nous oriente. Dieu de bonté, Dieu de gloire, que l'honneur te revienne. Oint ta parole, Seigneur, et que tout celui qui l'écoutera trouve un moyen de s'en sortir devant n'importe quel problème, car tu es Seigneur. C'est pour cela que nous t'acclamons, nous t'exaltons. Tu es vivant, tu es merveilleux. Est-ce que nous pouvons apprécier la présence de Dieu pendant ces moments avec les acclamations, les cris de joie? Oh, je vois les autres qui ne veulent pas acclamer Jésus. Il a vaincu. Il est digne de gloire, digne de célébration. Est-ce qu'on peut balancer les cris de joie à l'honneur de Jésus, à l'honneur de l'agneau immolé, à l'honneur de celui qui vit de génération en génération? Alléluia. Gloire au Seigneur. Que Dieu vous bénisse abondamment. Veuillez vous rasseoir. Que la gloire revienne à notre Dieu. Nous voici encore dans ce deuxième culte. Nous sommes là afin de parler de sa part. C'est pour cela que nous sommes en train de lui dire merci grandement, parce qu'il a accepté dans son amour que nous soyons là afin de pouvoir parler. Et je suis en train de dire merci à Papa Pascal et Maman Sophie. Que Dieu les bénisse, qu'il leur accorde la longévité et la bonne santé et la sagesse pour toujours. Et je suis en train de dire également merci à tous les hommes de Dieu, pasteur Delphin, pasteur Béris, pasteur Martin, que Dieu les bénisse également. Amen, amen. Que Dieu bénisse tous les chantres. Je suis en train de prier que la grâce de Dieu vous amène de gloire en gloire afin que vous atteigniez le sommet. Je bénis les papas, les mamans, les jeunes, vous tous qui êtes là ce dimanche. Que la bénédiction de notre Dieu soit votre partage. Alors, sans plus tarder, nous nous levons pendant un moment. Nous allons lire une portion d'écriture qui nous introduit dans le message de ce deuxième culte. Nous lisons les textes de base, Genèse 37. Genèse chapitre 37, nous commençons par le verset 5e jusqu'au 8e. La Bible dit ceci: Joseph eut un songe et il les raconta à ses frères qui les haïrent encore davantage. Il leur dit: écoutez donc ce songe que j'ai eu. Nous étions alliés de gerbes au milieu des champs. Et voici, ma gerbe s'éleva et s'étend debout, et vos gerbes l'entourèrent et se prosternèrent devant elle. Ses frères lui dirent: est-ce que tu régneras sur nous? Est-ce que tu nous gouverneras? Et ils les haïrent encore davantage à cause de ses songes et à cause de ses paroles. Veuillez vous asseoir. Je vais continuer avec la lecture. Nous ajoutons Genèse 49, versets 22 à 25. Genèse 49, 22 à 25. La Bible a dit: Joseph et les rejetons d'un arbre fertile, les rejetons d'un arbre fertile près d'une source, les branches s'élèvent au-dessus de la miraille. Ils l'ont provoqué, ils ont lancé des traits, les archers l'ont poursuivi de leur haine, mais son arc est demeuré ferme et ses mains ont été fortifiées par les mains du Tout-Puissant de Jacob. Il est ainsi devenu le berger
les rochers d'Israël. C'est l'œuvre du Dieu de ton Père qui t'aidera. C'est l'œuvre du Tout-Puissant qui te bénira. Des bénédictions des Sion, des bénédictions des Oamba, des bénédictions de Mamel et du sein maternel. Pour terminer, Genèse chapitre 39, versets 7 à 10. Nous lisons au nom de Jésus. Genèse 39, versets 7 à 10. La Bible dit, après ces choses, il arriva que la femme de son maître porta les yeux sur Joseph et dit, couche avec moi. Il refusa et dit à la femme de son maître, voici mon maître ne prend avec moi connaissance de rien dans la maison. Et il a remis entre mes mains tout ce qui lui appartient. Et il n'est pas plus grand que moi dans cette maison. Et il ne m'a rien interdit, excepté toi, parce que tu es sa femme. Comment ferais-je un aussi grand mal et pécherais-je contre Dieu? Quoi qu'elle parlât tous les jours à Joseph, il refusa de coucher auprès d'elle, d'être avec elle. Parole du Seigneur. Vous ajoutez également Ésaïe 46, versets 9 à 11. Ésaïe 46, versets 9 à 11. Josué chapitre 23, verset 14. Et enfin, Psaume 31, verset 16. C'est autour de ces passages que nous allons nous partager la pensée de Dieu. Les grands thèmes, vous les connaissez très bien, on est en train de parler du combat de la destinée. Les combats de la destinée, c'est ça le grand thème. Mais il y a un sous-thème que nous allons nous partager qui est juste titré « Les exigences de la destinée ». C'est quoi la destinée? La destinée, c'est le dessein ou le plan merveilleux de Dieu dans la vie de l'homme. Les plans de Dieu dans la vie de l'homme. J'aime la pensée d'un homme qui s'appelle Miles Monroe. Il dit, aucun être humain n'est une erreur dans ce monde. Aucun. C'est-à-dire, tout le monde qui est en train de vivre, tout le monde qui existe dans ce monde, Dieu a toujours un plan pour lui. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas un raté, il n'est pas un produit des hasards. Tu n'es pas un produit des hasards dans ce monde parce que le ciel a un plan pour ta vie. Tu peux être en train de vivre dans ce monde et que tu as des projets, tu as des plans sur ta vie et que le monde a aussi les plans sur ta vie. Tes parents peuvent avoir les plans sur ta vie et même les diables peuvent avoir les plans sur ta vie. Mais tu dois te mettre en tête que le ciel a un plan merveilleux sur ta vie. Et le plan du ciel est toujours au-dessus des plans des hommes parce que c'est tracé dans la sagesse de Dieu. Et Dieu qui a tracé ces plans, il sait comment l'accomplir et il sait quelle méthode appliquer afin d'amener ces plans jusqu'à l'accomplissement. Et c'est ainsi que j'aimerais dire à quelqu'un, ta destinée ne sera pas un échec, mais ta destinée sera une réussite totale parce que le Dieu qui l'a préparé, c'est un Dieu tout-puissant. Et vous devez savoir, mes bien-aimés, comme Moïse qui était en Égypte, la Bible dit, il était préparé dans toute la sagesse égyptienne. C'est-à-dire, Moïse était préparé dans l'occultisme des Égyptiens afin qu'il devienne le futur Pharaon. Mais pendant ce moment que Pharaon avait les plans sur sa vie, le ciel avait aussi un plan merveilleux sur sa vie. Tu peux être là en train de vivre malgré les choses dans lesquelles tu es trompé. J'aimerais te dire une chose, le ciel a un plan merveilleux, le plan qui est au-dessus des plans que tu as, le plan qui est au-dessus des plans que les hommes ont sur toi, le plan que l'Éternel a, c'est le plan merveilleux. La destinée de l'homme est préparée avant que l'homme ne vienne dans le monde. Vous savez, Dieu, c'est un sage. Et c'est lui-même la sagesse personnifiée. Vous savez, bien-aimés frères et sœurs, Dieu ne cherche pas à fabriquer ou à préparer, à aménager
ce que tu dois devenir pendant que tu es déjà dans le monde, mais il a préparé ta destinée avant que tu ne viennes dans le monde. C'est pour cela que la Bible dit en Éphésiens chapitre 1, verset 10, la Bible dit ceci: nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. David, il dit ceci: mes destinées sont entre tes mains. Il dit: mes destinées sont entre tes mains. Rassure-toi, ta destinée n'est pas entre les mains de ton père. Ta destinée n'est pas entre les mains de ta mère. Ta destinée n'est pas entre les mains de ton entourage. Mais ta destinée est entre les mains de l'Éternel. Et l'Éternel qui a cette destinée entre ses mains, il sait par quelle méthode l'amener à l'aboutissement. C'est pour cela que j'aimerais te dire pendant ce moment que Dieu n'a jamais échoué. Tout ce qu'il fait, il sait comment le faire. Et quand il fait, c'est dans sa sagesse. Et ça finit toujours par aboutir. Vous savez, quand David dit « mes destinées sont entre tes mains », j'ai beaucoup aimé. C'est parce que l'homme, il a une destinée, mais dans cette destinée, il y a plusieurs branches. Et dans cette destinée, il y a plusieurs destinées. Pourquoi? Parce que l'homme, c'est un esprit qui possède une âme, mais qui habite dans un corps. Ainsi, il y a une destinée liée à l'âme, une destinée liée au corps et une destinée liée à l'esprit. Et non seulement cela, c'est parce que l'homme a une destinée dans le temps et une destinée dans l'éternité. La destinée dans le temps, c'est lorsque l'homme est encore dans ses corps, quand l'esprit est encore dans le corps. Mais la destinée dans l'éternité, c'est quand l'esprit va quitter le corps jusqu'à aller, jusqu'à aboutir, quand nous allons entrer dans la nouvelle Jérusalem céleste. Ça, c'est la destinée dans l'éternité. Ainsi, mes bien-aimés frères et sœurs, une chose est vraie, toutes ces destinées de l'homme sont entre les mains de l'Éternel. Et ce qui est entre les mains de Dieu, la Bible me dit, personne ne peut les toucher ni l'arracher. C'est ainsi que j'aimerais dire à quelqu'un, ta destinée c'est la signature de Dieu. Et ce que Dieu a signé, personne ne peut le falsifier. Ce que Dieu a signé, personne ne peut le contredire. Ce que Dieu a signé, personne ne peut l'effacer. Ce que Dieu a signé, personne ne peut le détruire. Ta destinée, c'est la signature de l'Éternel. Et il est quelqu'un qui trace la destinée de l'homme et il met tous les moyens en place jusqu'à ce qu'elle va s'accomplir. Nous voyons la vie de Joseph, mes bien-aimés frères et sœurs. Ce jeune homme qui a commencé à l'âge de 17 ans déjà. D'ailleurs, j'ai beaucoup aimé quand la Bible dit, voici la postérité de Jacob. Joseph à l'âge de 17 ans. Donc on commence à présenter la postérité de Jacob avec Joseph. Alors que Joseph n'était même pas le premier-né. J'aimerais te dire, la position que tu occupes dans la famille ne compte pas. Lorsque Dieu a déjà plongé ses regards sur ta vie, c'est pour accomplir ce qu'il a tracé pour toi. On dit, voici la postérité de Jacob. Joseph, à l'âge de 17 ans, il a commencé à avoir des rêves. Et en voyant les rêves, il a raconté à ses frères. Ça ne venait pas de Joseph. La destinée ne vient pas de toi. Ce n'est pas toi qui l'as tracé. Ce n'est pas toi qui l'as préparé. C'est lui qui l'a préparé, c'est Dieu. Toi, tu n'es qu'un instrument qui va l'amener à l'aboutissement. Et la Bible dit ceci, il a eu le songe, il a raconté à ses frères. Ils l'ont haï encore davantage. La haine était là, elle s'est aggravée. La haine était là, elle s'est accentuée. La haine était là, une dose s'est ajoutée encore. J'aimerais te dire, les frères de Joseph haïssaient Joseph. Joseph n'avait commis aucun péché parce que le rêve ne venait pas de Joseph, mais le rêve venait de Dieu. Aucun d'entre nous ne peut dormir et se dire que je vais rêver étant aux États-Unis, je vais rêver en train d'aller en Europe, je vais rêver en train de conduire une voiture, je vais rêver en train de construire une maison. Personne. Le rêve vient de l'Éternel. C'est juste pour te dire, tout
l'Éternel ne vient pas de toi, mais vient de l'Éternel, Dieu des armées. Ils l'ont haï. Vous savez, bien-aimé, dans la vie, il y a des personnes qui ne t'aimeront jamais. Ils vont t'haïr sans cause. Tu manges bien, on va t'haïr. Tu dors affamé, on va t'haïr. Tu t'habilles bien, on va t'haïr. Tu t'habilles mal, on va t'haïr. Tout ce que toi tu fais, c'est mauvais. Il t'haït sans cause et ne cherche pas à gagner l'amour d'un tel homme. Il t'a haï, il t'a haï. Et ce que tu dois faire, c'est quoi? Détourne-toi de lui, accroche-toi des gens qui t'aiment. Sur cette terre, il y a des personnes qui t'aiment. Ils t'aiment, ils t'aiment. Il y a des personnes qui t'aiment. Concentre-toi sur ceux qui t'aiment. Je n'ai pas besoin de gagner ton amour. Tu feras tout, même si tu lui donnes l'argent. Il va toujours t'haïr. Quand il faut parler mal de toi, il parlera mal de toi. Il y a un plan. Mais pendant la journée, on vient, ah, mon frère, maintenant, mon témoignage, il y a des choses. Alors, ne cherche pas à gagner l'amour d'un tel homme, parce que tout le monde ne t'aimera pas. Ils l'ont haï, sans cause, étant dans la maison de son père, mais ses frères ne l'aimaient pas. Vous savez, la vie de Jacob, où la maison de Jacob, c'était comme une grande forêt. Pourquoi? Parce que dans la forêt, il y a les animaux. Dans la forêt, il y a des arbres. Dans la forêt, il y a des oiseaux. Dans la forêt, il y a beaucoup, beaucoup de choses. Mais qu'est-ce que nous remarquons? Nous remarquons qu'il y a les enfants de Jacob qui étaient comme les animaux. Ainsi, il y a encore quelqu'un d'autre qui était comme un arbre. Ceux qui étaient comme les animaux, la Bible dit, Judas, c'est un jeune lion. Un lion, ce n'est pas un homme, mais le lion, c'est un animal. La Bible dit de Dan, on dit Dan, c'est un serpent. Le serpent n'est pas un homme, mais le serpent, c'est un animal. La Bible parle d'Issachar, on dit c'était un âne. L'âne n'est pas un homme, mais l'âne, c'est un animal. La Bible parle de Benjamin, on dit que Benjamin, c'est un loup. Le loup n'est pas un homme, mais le loup, c'est un animal. La Bible parle aussi de Nephtali. On dit que Nephtali c'était une biche. La biche ce n'est pas un homme, mais c'est un animal. Mais en parlant de Joseph, la Bible dit Joseph c'est le rejeton d'un arbre. Le rejeton d'un arbre. Joseph c'est le rejeton d'un arbre. Pas n'importe quel arbre, mais l'arbre fertile. Alors que quand il y a la fertilité dans l'arbre, l'ombrage sera aussi grand. Et quand il y a l'ombrage, les animaux vont s'abriter sous l'ombrage. Ainsi, j'aimerais parler à quelqu'un, tu es l'arbre, plusieurs s'abriteront en toi. Et je suis en train de parler, non seulement les enfants de ton père, même les enfants de ton oncle viendront s'abriter sur toi. Oh, je suis en train de parler à quelqu'un, non seulement c'est de ta famille, même les amis, même les voisins, plusieurs s'abriteront sous ton ombrage. Pourquoi? Parce que Joseph, c'est l'arbre. Joseph, c'est le rejeton d'un arbre. Et l'arbre, pas n'importe quel arbre, l'arbre fertile. Ce qui faisait la fertilité de cet arbre, c'était la source. Parce que la Bible dit, l'arbre était près d'une source. Ainsi, j'aimerais te dire, ce qui fera ta force, ce n'est pas ton intelligence. Ce qui fera ta force, ce n'est pas ta sagesse. Ce ne sont pas des diplômes, ce ne sont pas des relations. Mais ce qui fait ta force, c'est la source. Tu y es branché à quelle source? Moi qui te parle, je suis branché à la véritable source qui est Jésus-Christ de Nazareth. La véritable source qui s'appelle Yeshua Mashiach. Quelqu'un qui est branché à la source, la citerne peut tarir. La piscine peut tarir. Mais quelqu'un qui est branché à la source,
La source ne tarit pas. L'eau est en train de couler de génération en génération. Ainsi, la véritable source, c'est Jésus-Christ. Toi qui es branché à la source qui est Jésus, j'aimerais te dire, c'est ce qui fera la fertilité de ta vie. Oh my God. Mais quand il y a la fertilité, écoute ce qui se passe. La Bible dit, ces branches s'élèvent au-dessus de la muraille. Quand nous voyons la muraille, c'était comme une clôture, c'était comme quelque chose qui devrait cacher les arbres. Mais un arbre s'est rebellé. Il a refusé de rester dans la muraille, mais il a décidé d'élever ses branches jusqu'au-dessus de la muraille. C'est juste pour dire à quelqu'un, personne ne t'arrêtera, personne ne bloquera ta vie. Et même s'il y a des choses qui vont arrêter, bloquer toute la famille, toi tu vas élever tes branches au-dessus de la muraille. Oh, je parle, ta renommée touchera les extrémités de la terre. Je parle, tu élèveras tes branches au-dessus de la muraille. Personne ne te bloquera. Je ne sais pas quel miracle qui est autour de ta famille. Je ne sais pas. Mais toi, tu connais. Peut-être c'est la pauvreté. Peut-être c'est la stérilité. Peut-être c'est le chômage. Mais tu seras la personne qui va commencer une nouvelle histoire dans la famille. Oh. Joseph, le rejeton d'un arbre, près d'une source, mais qui élève ses branches au-dessus des murailles. Tu es là, tes branches s'élèvent. Tes enfants à toi, ce sont des branches qui vont s'élever au-dessus de la muraille. Tes enfants ne seront pas des coulounas. Tes enfants ne seront pas des prostituées. Tes enfants ne seront jamais trempés dans la drogue et autres. Mais je parle, tes enfants seront les autorités dans ce pays. Tes enfants accompliront des grandes choses. Tes branches seront élevées au-dessus de la muraille. Joseph, il élève ses branches au-dessus de la muraille. Là, c'est Jacob qui est en train de parler de lui. Et il dit, ils l'ont provoqué. Les provocations viendront, que tu les veuilles ou pas. Il y aura toujours les gens qui viendront te chercher la guerre. Il y aura toujours les gens qui viendront t'attaquer. Même si toi, tu ne pars pas les attaquer, mais ils viendront toujours t'attaquer. Mais une chose est vraie, la victoire est certaine. Parce qu'il y a quelqu'un qui est en train de te fortifier. La Bible dit ceci, les mains de Joseph ont été soutenues par les mains du Tout-Puissant. Celui qui te soutient, il est plus fort. Et comme il est plus fort, tu ne tomberas jamais. Ah, je dis que tu ne tomberas jamais. Parce que celui qui te soutient, il s'appelle le Tout-Puissant. Le Tout-Puissant, c'est celui qui détient la totalité de la puissance entre ses mains. Le diable n'est pas le Tout-Puissant. Les démons ne sont pas le Tout-Puissant. Pour être le Tout-Puissant, il faut être sans commencement, sans fin. Il faut être omniscient, omnipotent, omniprésent. Le diable n'est pas omniprésent. Les démons ne sont pas omniscients. Les démons ne sont pas omnipotents. Mais un seul est omnipotent. Ce n'est que le Dieu Tout-Puissant. Et c'est lui qui détient tes destins entre ses mains. Le Tout-Puissant là. Tu ne le connais pas? Ah, je te le présente. Il s'appelle El Elyon. El Elyon, le Dieu très haut. Pour être le Tout-Puissant, contrôler ce qui est en bas, il faut être très élevé. Si on n'est pas très... C'est pour cela que la Bible dit, c'est lui qui habite sous l'abri de l'Elyon, repose à l'ombre d'El Shaddai. Ainsi, pour être El Shaddai, il faut être El Elyon. Notre Dieu est très élevé. Au-dessus de la magie, il est. Au-dessus de la sorcellerie, il est. Au-dessus de toute puissance des ténèbres, il est. Il est El Elyon. Oh. Les combats sont là. On vient attaquer Joseph. Pourquoi? Parce que on n'a pas besoin d'aller attaquer l'ennemi, mais lui-même viendra toujours nous attaquer. Mais une chose est vraie,
nous nous battons avec un ennemi déjà vaincu et dépouillé. Le diable, il fait ses grimaces, mais il connaît très bien qu'il est déjà dépouillé. Il sait qu'il a été déjà vaincu, malgré qu'il ne veut pas l'accepter. Vous savez quoi? La victoire n'était pas en cachette, mais elle était publique. Parce que la première victoire, c'était dans le désert. Il est venu tenter. Il tente. Si tu es fils de Dieu, fais ceci, cela. Mais il a été vaincu. Comme c'était en secret, les diables, ils croyaient toujours que, ah, ici on ne m'a pas vu. Alors je peux toujours faire les bruits pour dire que non, je suis le Tout-Puissant. Jésus dit, voilà, toi patiente, match final à Golgotha. Là, tout le monde était là. La nature était là, le soleil était là, les étoiles étaient là, la lune était là, les cieux et la terre étaient là, et tout le monde était témoin, toute la nature était témoin. Ainsi la Bible dit, il a dépouillé les autorités, les dominations, il les a triomphés par sa croix. Nous sommes en train de nous battre avec un ennemi déjà vaincu, neutralisé, le diable n'est plus fort. Même s'il s'élève aujourd'hui, il met des pièges sur ton chemin. J'aimerais te dire, c'est lui qui a préparé ta destinée. Il a prévu les moyens afin que tu puisses atteindre cette destinée. Ainsi, tu ne mourras pas avant de pouvoir accomplir ce que Dieu a prévu pour toi. Même si on a mis des pièges, même si on a mis des blocages, ils ne te feront rien. La Bible dit, te feront la guerre, mais ils ne te vaincront jamais. D'ailleurs, j'aimerais déclarer, aucun trait enflammé de l'ennemi ne te touchera. Ah, j'ai dit que tu ne tomberas jamais dans les pièges du diable. Tu ne tomberas pas dans la force de l'ennemi. C'est lui qui a creusé une fosse, il tombera lui-même dedans. C'est lui qui a mis un piège lui-même, il sera rattrapé. Qu'il creuse la tombe, il tombera lui-même. Il va s'enterrer lui-même. Ils ont commencé à combattre Joseph. La Bible dit, un jour, son père lui a dit, va voir tes frères. Comme un enfant obéissant, il est allé. De loin, il les regarde, disent, waouh, qui vient là? Les faiseurs de songes. Ah oui, finalement il est là. Qu'est-ce que nous devons faire? Attrapons-les, tuons-les, et nous verrons que deviendront ces songes. Vous voulez voir? Vous verrez. Mes songes à moi ne viennent pas de moi. Mais il y a quelqu'un qui les tient entre ses mains. Et comme il les tient entre ses mains, il a pourvu, il a aussi prévu. C'est un Dieu pourvoyeur. Quand il prévoit quelque chose, il pourvoit aussi. Pourquoi? Parce qu'il a des provisions. Ainsi, vous ne pouvez jamais anéantir ce qu'il a déjà tracé parce qu'il sait par quel moyen l'accomplir. Oh my God! Les diables pensaient qu'en crucifiant Jésus, il va abolir les plans du salut. Alors que la Bible dit, nous prêchons la sagesse que les rois de ce monde n'ont pas connue. La sagesse que les princes de ce monde n'ont pas connue. La sagesse des dieux que nous sommes en train de prêcher. S'ils l'eussent connue, ils n'auraient pas crucifié le Christ de gloire. Les diables en crucifiant Jésus, il est en train d'accomplir la destinée. Et j'aimerais te dire, en te combattant, ils vont t'amener dans ta destinée. Ils feront des choses, hein, croyant que on va te combattre, alors que petit à petit, ils vont t'amener jusqu'à dans la destinée. Et penser que vendre Joseph, c'était pour abolir les plans de Dieu. Et j'aimerais te dire, même si tu passes par des moments flous, des moments compliqués, mais comme Dieu est au contrôle, n'aie peur de rien, parce que les choses difficiles ou des réalités n'anéantiront jamais les plans de Dieu. Au-dessus des réalités que tu es en train de traverser, il y a ce qu'on appelle la vérité. Ainsi, la vérité finira par triompher. Ils l'ont vu en train de venir, waouh, les faiseurs de songes, attrapons-les,
Vendons-les et tuons-les plutôt. Et nous verrons ce que deviendront ces songes. On prend Joseph, on le met dans la citerne. Et pendant que les marchands passaient, on l'a sorti de là, on l'a vendu. Joseph part en Égypte. Et là, en Égypte, c'était dans les plans de Dieu afin qu'il aille toucher sa cible. Tu ne rateras jamais ta cible. C'est pourquoi tu as été créé. Tu finiras par accomplir, parce que personne n'accomplira ce que toi tu dois accomplir à ta place. Oh, je suis en train de dire, Dieu en créant l'homme, il a planifié des choses, parce que tu es la signature de Dieu et tu es unique en ton genre. Personne d'autre ne vivra ta vie. Qui qu'il soit ne vivra ta vie. Oh, j'ai dit, même ton père ne vivra jamais ta vie. Est-ce que en me vendant vous allez vivre ma vie? Vous ne vivrez jamais ma vie, même si vous me vendez aujourd'hui. Ma vie reste la mienne parce qu'il y a quelqu'un qui l'a déjà tracé. Il s'appelle Elélion. Et on vend Joseph comme une marchandise. Ah, voilà comme il est beau. Beau de taille, beau de visage. Donne-moi autant. Ah non, mon cher. On commence à discuter quelqu'un qui a une grande destinée comme Joseph. Il devient comme une marchandise. Pendant que je parle, peut-être tu es considéré comme une marchandise. Il y en a qui sont en train de te discuter. On dit à lui, avec Yekosimba. Et j'aimerais te dire, toi ou ta Yekosimba. On discute Joseph comme une marchandise. On les vend, il part en Égypte, arrivant là-bas, on les revend. Ah. Pourquoi ils l'ont revendu? Ils ont fait les calculs, ils ont trouvé qu'il y a un bénéfice, non? Parce qu'on ne peut pas acheter une marchandise et vendre sans avoir un bénéfice. Et il y en a qui sont utilisés comme une marchandise pour avoir les bénéfices. Personne n'aura de bénéfices sur toi. Joseph arrive là-bas, Potiphar l'achète, il le met dans sa maison et il est là comme un esclave. Mais une chose qui m'a beaucoup intéressé, la Bible dit tout ce que Joseph touchait prospérait. Tout ce qu'il faisait prospérer. Pourquoi? Parce que Dieu était avec lui. Ce qui compte, c'est avoir la présence de Dieu. Toute autre chose ne compte pas. Si j'ai Dieu avec moi, j'ai toutes choses. C'est comme les autres, ils ont toutes choses, mais ils n'ont pas Dieu. Si tu y as tout sans Dieu, tu n'as rien. Si tu y as des maisons sans Dieu, tu n'as rien. Hein? J'ai dit, tu as des véhicules sans Dieu, tu n'as rien. Mais c'est lui qui a Dieu. Même s'il manque certaines choses, il a tout avec lui. Joseph, la Bible a dit, la présence de Dieu était avec lui. Dieu fut avec lui. Tout ce qu'il touchait allait de l'avant. Tout ce qu'il faisait prospérait. J'aimerais te dire, mes bien-aimés frères et sœurs, ne faut pas craindre les combats. Affronte les combats. Les combats viendront, mais ne fuis pas. Parce que tu ne seras pas déclaré vainqueur sans avoir combattu. Tu dois combattre, tu dois te battre. Et en te battant, c'est alors que tu seras déclaré vainqueur. Pourquoi? Parce que le diable viendra toujours t'attaquer. Mais Joseph n'a pas craint. Il n'a pas craint. Bien-aimés frères et sœurs, David avec Goliath, tout le monde pouvait voir Goliath comme étant un géant, un vaillant. Mais lorsque David regardait, il disait, un chien, un incirconcis, un chien de rien du tout. Goliath que tu es en train de voir, c'est un protocole qui va te conduire là où tu dois être. Hein? Autrement dit, ce que tu es en train de voir comme problème, comme difficulté, c'est ce que Dieu va utiliser comme un tremplin afin de pouvoir te permettre d'atteindre le sommet. Quand tout le monde voyait Goliath comme un héros, un vaillant, mais quand David regardait, il voyait comme un tremplin qui allait l'aider à pouvoir atteindre le sommet. J'aimerais te dire, même si on t'a vendu en Égypte, c'est juste un moyen qu'on a utilisé pour que tu touches à ta cible. Joseph arrive
dans la maison de Potiphar. Mais avant qu'il ne voie la prospérité, la femme de Potiphar n'est pas venue. Mais cette femme est venue juste quand elle a vu que tout ce que Joseph touchait prospérait. Il y a des tentations et des tentations. Un niveau de tentation qui vient quand tu n'as encore rien. Mais il y a un autre niveau de tentation qui viendra quand tu auras toujours quelque chose entre tes mains. La Bible dit c'est après toutes ces choses. Après quelles choses? Après la prospérité, après de voir la main de Dieu, après toutes ces choses, la femme de Potiphar vient avec une proposition. La vie est composée de plusieurs propositions. Mais tout ce qu'on te propose n'est pas utile pour toi. Tu dois faire la sélection. Sois sélectif dans tes choix. Et la Bible dit ceci, la femme a commencé à lui demander, couche avec moi, couche avec moi. Mais Joseph a refusé. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui pensent que la tentation était une seule fois, mais ce n'était pas une seule fois. La Bible dit, elle a parlé, elle venait, elle revenait, elle venait, elle revenait. Jusqu'à tel point que la tentation était verbale, elle a atteint maintenant la dimension du toucher. Pourquoi? Parce qu'elle a commencé à les toucher. Il y a certaines personnes, quand la tentation est verbale, ne cèdent pas. Mais lorsque la tentation atteint la dimension du toucher, cède. J'aimerais te dire ceci. Quel que soit le niveau de tentation, même si c'est verbal, même si c'est le niveau du toucher, ne cède jamais parce que ta destinée est grande. Plus tu tombes, plus tu anéantis la destinée. Plus tu tombes, plus tu retardes la destinée. Ainsi, la destinée a des exigences. La première exigence, tu dois reconnaître tes limites. Est-ce que tu reconnais tes limites? Joseph reconnaissait ses limites. Il reconnaissait ce qu'il était appelé à faire et ce qu'il ne pouvait pas faire. Il a dit, mon maître m'a confié tout. J'ai le contrôle de toutes choses. Je contrôle tout ce qui est dans la maison. Je contrôle tout ce qui appartient à mon maître. Mais j'ai des limites. Je ne peux pas toucher à sa femme. Est-ce que tu reconnais tes limites? Joseph, s'il avait cédé devant la femme de Potiphar, qui était la femme d'un gardien, à combien plus forte raison la femme de Pharaon, parce qu'il était appelé à gérer toutes les femmes de l'Égypte, y compris même la femme de Pharaon. Mais s'il était tombé devant la femme du gardien, c'est-à-dire devant la femme de Potiphar, il allait archi tomber. C'est-à-dire quoi? Joseph, parce que Joseph parle, il dit, ce ne sont pas vous qui m'avez envoyé ici, mais c'est Dieu qui m'a envoyé afin que je sois le père de Pharaon. Quand je suis le père de Pharaon, c'est-à-dire, je contrôle même la maison du Pharaon. Ainsi, Joseph était appelé à contrôler toutes les femmes de l'Égypte. Il y a des personnes, tu y as une grande destinée, appelée à diriger une grande église, conduire beaucoup de femmes, mais on t'a confié juste un petit département, mais tu couches avec toutes les filles. Est-ce que tu reconnais tes limites? Ce que tu dois toucher et ce que tu ne dois pas toucher. J'aimerais te dire, il y a toujours des choses que tu ne feras jamais jusqu'à ta mort. Je dis jusqu'à ta mort. Ta mort viendra de ta mort. Il y a des personnes ici, on les reconnaît seulement ici, mais à l'extérieur, tu ne peux pas les reconnaître. Tu ne peux pas les reconnaître. Est-ce que je peux parler? Tu peux avoir une destinée d'être une grande dame, un modèle pour les autres. Ainsi, pour les devenir, tu dois être un modèle même dans l'habillement. Mais voilà que tu commences à t'habiller mal et en t'habillant mal, oh my God. Oh, tu peux voir une femme à l'église, robe tina makolo. Mais t'as l'air ce qu'on a fait au Kobo Sanaï. Tu vas te demander, c'est elle ou ce n'est pas elle? Tellement souligné, bimi, 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 bimi.
est là en train de marcher comme ça. Tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe dans cette fille? Elle arrive pour s'asseoir, elle commence à faire ça. Mais tu caches quoi alors? Laisse alors, tu voulais laisser. Tu voulais que les gens voient, non? Laisse alors que les gens voient. Tu commences à cacher quoi? Tu es appelé à être un modèle parce que ta destinée est en train de réclamer certaines choses. Ta destinée a des exigences. Respecte les exigences de ta destinée. Joseph reconnaissait ses limites. Même les sportifs, ils savent très bien qu'ils ont des limites. Il y a des choses qu'ils ne peuvent pas faire. C'est pour cela que la Bible dit que même ceux qui courent, ils sont en train de s'imposer toutes sortes d'abstinences. Il y a les abstinences. C'est encore bizarre de voir les chrétiens qui s'enivrent encore, encore et encore. Il y a toujours des chrétiens qui continuent à s'enivrer. Tu es à l'église, mais la nuit, tu es dans la boîte de nuit. Tu es là, tu chantes, tu danses, mais à tout moment on te voit dehors en train de te comporter comme tout le monde. Oh, tu n'es pas tout le monde, tu as une destinée qui exige des choses. Lorsque l'ange est venu vers la femme de Manoah, on lui a dit, tu ne boiras jamais du vin parce que l'enfant que tu portes, c'est un enfant qui est consacré à l'Éternel. Tu portes l'enfant qui s'appelle Jésus à ton intérieur. Tu portes une grande destinée, mais ta destinée exige des choses. Pourquoi tu touches à tout? Tu parles tout. Dans les cercles de ceux qui insultent, tu es là. Dans les cercles de ceux qui critiquent l'église, même ceux qui critiquent les pasteurs, tu es là. Est-ce qu'on peut te confier une responsabilité à l'église? Est-ce qu'on peut te faire confiance? Un petit devis de rien du tout. Et quand tu pars, aïe, aïe, tu prends la facture, tu multiplies par 3. Mive et Bomayo. Yayo Mive Zola Nangotina Église. Frère, ça va te tuer. Tu es en train d'étouffer la destinée. Comment est-ce qu'elle va se manifester? Tu étouffes la destinée. Respecte les exigences. Est-ce que Nakoloba? Est-ce que Nakoloba? Tu as besoin d'un bon mariage, non? Mais laisse la femme, le mari d'autrui. Laisse le mari d'autrui. Tu as besoin d'un bon mariage. Laisse le mari d'autrui. Pendant que tu l'emprisonnes chez toi là, il y a les enfants. Quelque part, qui cherchent les minéraux, il n'y en a pas. Pourquoi? Parce que leur papa est en train de payer la maison d'une femme quelque part. Laisse le mari d'autrui, tu auras un bon mariage. Quand papa venait, papa est venu, chocolat, chocolat, mais les chocolats sont bloqués quelque part. Oh, les chips, les chips, yo yo, yo yo, Zakuna, pas bloqué, Gokuna, Kamikaze, beaucoup Zakuna bloqué. Lâche le mari d'autrui. Ta destinée est en train d'exiger des choses. Oh, regarde la pidenga, tous les kakak. Deuxième des choses, tu dois identifier les priorités. C'est-à-dire, dans la vie, il y a toujours des priorités. Quand tu fais le choix, ton choix détermine ta vie. Ainsi, en faisant le choix, tu dois savoir ce qui est prioritaire et ce qui n'est pas prioritaire. Joseph, connaissant cela, c'est pour cela qu'il a refusé de coucher avec la femme de Potiphar. Pourquoi? Parce qu'il savait que la destinée qu'il avait exigeait des choses. Et ainsi, il a choisi d'aller en prison que d'avoir un temps de jouissance pendant quelques minutes. Choisi d'aller même en prison s'il le faut, mais en étant accompagné avec Dieu. Parce que Dieu n'a jamais été emprisonné, même si tu es avec lui en prison. Tu ne m'as pas compris. J'ai dit ceci,
en faisant des choix, il faut choisir des choses prioritaires. Même si cela te conduit en prison, va en prison, mais accompagné de Dieu, parce que Dieu n'a jamais été emprisonné, même si toi tu es emprisonné. Joseph a accepté d'aller en prison. Pourquoi? Parce que il savait qu'il y a la différence entre ce qui est bon et ce qui est prioritaire. Toutes les opportunités ne sont pas prioritaires. Il y a certaines priorités, certaines opportunités que tu vas refuser. Frère, tout ce qui attire n'est pas important. Tout ce qui attire n'est pas priorité. Identifie tes priorités par rapport à la destinée que tu as. La femme de Potiphar, à vrai dire, Potiphar c'était quand même un grand officier. Sa femme ne pouvait pas être une femme vilaine. C'était quand même une femme qui attire. Mais Joseph n'a pas regardé la brillance ou l'attirance de la femme. Mais il a refusé de tomber avec la femme. Pourquoi? Parce que ce qui était prioritaire pour lui, c'était la destinée. Il avait rêvé que ses frères devraient se prosterner devant lui. Mais tant que les frères ne s'étaient pas encore prosternés devant lui, il ne pouvait jamais lâcher. J'aimerais te dire, sur le chemin de la destinée, tu auras des choses. Parce que le chemin de la destinée n'est pas un chemin comme ça. Mais c'est comme ça. Israël, dans le désert, ils n'étaient pas comme ça. Ils étaient en train d'aller comme ça. Comme ça. Comme ça. Mais ce que j'aime, c'est que Dieu avait prévu des choses en sorte qu'avant de toucher le lait et le miel, qu'ils puissent avoir ce qu'on appelle la manne. La manne ne montait pas de la terre, mais la manne descendait du ciel. Et qu'est-ce que la manne? Quand ils mangeaient la manne, ils se posaient des questions. Mais qu'est-ce que c'est ça? C'était un miracle qui venait de Dieu. C'est juste pour dire à quelqu'un, avant de toucher ta destinée, il y aura toujours des choses qui vont t'accompagner. Les miracles de Dieu qui vont t'accompagner. Quand tu vois tes poser des questions, mais qu'est-ce que c'est ça? C'est la manne de Dieu. Et pendant que je parle maintenant, que le ciel s'ouvre, que la manne descende dans ta maison, dans ta vie, dans tes enfants, dans ta famille, que la manne descende. Le miracle dont tu te poses des questions, mais ça c'est quoi? Qu'est-ce que c'est ça? La main de Dieu a opéré des miracles. Tu te poses des questions, mais ça vient d'où? Tu ne connais pas la source, mais quand même tu les consommes. Quand même tu les consommes. Tu ne connais pas la source, mais tu les consommes quand même. C'est comme quelqu'un qui dirait boulangerie à l'eau, les fongwami. Un repas préparé dans les ciels. Qui a préparé? Gabriel? Qui a préparé? Michael? Qui a préparé? Yemei. Yemei. Identifie tes priorités. Ce que tu dois faire et ce que tu ne dois pas faire. Ainsi, Miles Monroe dit ceci. La vie, que votre vie ne soit pas gouvernée par ce qui attire, mais que votre vie soit gouvernée par ce qui est prioritaire. Choisissez des choses qui sont prioritaires. Et même des pressions, même si des pressions existent, ne gouvernez pas votre vie en fonction des pressions. Mais gouvernez votre vie en fonction de ce qui est prioritaire. Troisième chose, c'est la procrastination. La thermoma. Et vous savez quoi? Joseph n'a pas dit que non. Je dirai non demain. Aujourd'hui, j'accepte quand même. Mais demain, je vais dire non. Non. Il a dit non sur les champs. Lorsque la tentation parle, parle aussi. Quand la tentation parle, tu dois parler. Et quand toi, tu dois parler, c'est pour dire non. Fais ceci, non. Fais cela, non. Fais ceci, non. Mais le problème, c'est toi, c'est que tu acceptes tout ce qu'on t'a dit. Je fais ceci, hein. Tu fais ça, hein. Ceci, cela, hein. Quelle naïveté. Quelle naïveté. La procrastination.
procrastination, ce n'est pas un bon esprit. La procrastination va te pousser toujours à ramener à demain ce que tu as appelé à faire aujourd'hui. Joseph a dit non sur les champs. Tu dois dire non. Ainsi, la quatrième des choses, pour terminer, il faut avoir la patience. La patience, c'est avoir le contentement de ce qu'on a, mais tout en espérant avoir ce qu'on doit avoir. Tu dois te contenter de ce que tu as. Ne cherche pas à voler, ne cherche pas à tricher, ne cherche pas à avoir plus rapidement. Ne brûle pas les étapes, il faut avoir la patience. Parce que la Bible dit, c'est une prophétie dont le temps a été déjà fixé. Même si elle tarde, fait quoi? Attends-la. Pourquoi? Parce qu'elle s'accomplira, elle ne mentira pas, elle s'accomplira certainement. Et j'aimerais te dire ce que Dieu a dit, finit toujours par s'accomplir, parce qu'il n'a jamais menti. Il s'appelle le chemin, la vérité et la vie. Il est la vérité, il dit la vérité. Sois patient. Il faut avoir la patience. C'est une bonne chose d'avoir la patience. Bien-aimés frères et sœurs, la Bible est en train de parler de Marie. On dit que Marie, c'était une vierge. Mais qu'est-ce qui se passe? Une prophétie a été déjà donnée il y a longtemps. On a dit une vierge tombera enceinte et donnera naissance à un fils qu'on appellera Emmanuel. On n'avait pas cité le nom d'une vierge, mais c'était une prophétie qui était sortie. La prophétie était en train de chercher où s'accomplir. Joséphine, non. Marie-Jeanne, non. Celui-ci, non. On est en train de chercher Marie. Quelle Marie? On arrive sur Marie, fiancée à Joseph. Et on arrive là, la prophétie. Voilà, j'ai été libéré pour m'accomplir ici dans ce corps. Ainsi, Marie était comme une enveloppe que Dieu avait utilisée. Oh my God. Marie, c'était comme une usine que Dieu avait mise en place afin de fabriquer un corps pour se manifester dans le monde. Pourquoi? La Bible dit tu as trouvé grâce. Et comme tu as trouvé grâce, c'est-à-dire la prophétie va s'accomplir en toi. J'aimerais te dire, ce qui fera que la prophétie s'accomplisse, la grâce de Dieu est sur toi. Ainsi, la grâce ne te quittera jamais. Et la Bible dit ceci. L'ange lui dit tu as trouvé grâce. Ce n'est pas que tu es pleine de grâce. Tu as trouvé grâce, mais en toi tu portes celui qui est pleine de grâce. Marie n'est pas pleine de grâce, mais elle a trouvé grâce. Elle n'est pas, oh, je vous salue Marie, pleine de grâce, pleine de grâce. Non, 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 non. Celui qui peut être plein de grâce, il n'y a que celui qui est comme la source de la grâce. Et la source de la grâce, ce n'est que Jésus-Christ. Ainsi, Marie, elle a trouvé grâce pour donner naissance à celui qu'on appelle Emmanuel. Emmanuel, qui veut tout simplement dire Dieu avec nous, mais littéralement, on peut détailler ces mots im comme in, c'est-à-dire don. Man comme humain, c'est-à-dire man, un homme. Elle comme El Shaddai. Elle comme El Elyon. Elle comme Dieu Tout-Puissant. Ce qui veut dire Emmanuel, c'est Dieu Tout-Puissant dans la chair humaine. Ainsi, Marie, c'était une usine où la prophétie a été accomplie. Dieu a accompli sa prophétie dans la vie de Marie. Je ne sais pas, peut-être. Elle avait des projets, elle avait des plans. Elle se disait, le jour de mon mariage, je vais inviter mes amis. Nous allons danser, nous allons manger et nous allons fêter. Le jour de mon mariage, ça sera impeccable. Ça sera ceci, cela. Mais du coup, elle se retrouve enceinte. Enceinte de qui? Oh, du Saint-Esprit. Imaginez un peu si c'était ta fille. Quelle serait ta réaction? Elle vient comme ça, tal, des manches changées. Ma fille, qu'est-ce qui se passe sur le Saint-Esprit? On te dit, voilà, va alors habiter chez Saint-Esprit, hein? Va habiter là-bas. L'adresse du Saint-Esprit, c'est où? Nous allons t'accompagner là-bas, là-bas. Oh, l'enfant que je porte vient du Saint-Esprit. Ah, le Saint-Esprit, il est où? Le Saint-Esprit. Ça devient compliqué. Malgré qu'elle avait des plans. Mais du coup, les plans de Dieu
vient se mettre au-dessus de ses plans. J'aimerais te dire, le plan de Dieu ne tient pas compte de ta volonté. Le plan de Dieu ne tient pas compte de tes plans. Toi, tu as des plans, mais le ciel a aussi les siens. Et le plan de Dieu est au-dessus de tes plans. Et si le plan de Dieu va se réaliser dans ta vie, même si tu ne l'aimais pas, tu vas toujours l'aimer. Tu vas l'aimer. Pourquoi? Parce que Marie, à la fin, quand ça s'accomplit, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit, toutes les générations me diraient que tu es la bienheureuse. La bienheureuse, pourquoi? Parce que Dieu a fait des grandes choses dans ma vie. Ainsi, j'aimerais te dire, les plans de Dieu, même si au début ça ne te plaît pas, finira toujours par te plaire et tu diras que je suis les bienheureux. Je suis les bienheureux. Pourquoi? Parce que Dieu n'a jamais menti. La Bible est en train de dire, Dieu lui-même dit, mais je suis l'Éternel. Qui est comme moi? Je suis l'Éternel, nul n'est semblable à moi. J'aime quand il se présente en Ésaïe 64, il dit, mais en Ésaïe 46 plutôt, il dit, je suis l'Éternel, nul n'est comme moi. Qui est semblable à moi? Je suis l'Éternel. Il dit, j'annonce dès le commencement ce qui doit arriver. Dès le commencement. Ainsi, j'aimerais te dire, Dieu, il commence par là où il t'amène, il revient, il te prend pour te conduire là-bas. Ta destinée, là où Dieu t'amène, il a déjà été là, il a préparé des choses. Ainsi, quand il commence à t'amener, c'est avec beaucoup d'exactitude, c'est avec beaucoup de précision. Et là où tu poses les pieds, c'est Dieu qui contrôle, il assure le contrôle de toutes choses. Tu ne vas pas te perdre dans ta destinée, fais-lui confiance. Il sait là où il t'amène, il fait ce qu'il veut faire dans ta vie, il sait. Il sait, fais-lui confiance. Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit, j'ai dit, mais mes arrêts subsisteront. Pourquoi? Parce que je vais accomplir la totalité de ma volonté. Quand il dit, il sait ce qu'il dit. Et quand il dit, il pèse ce qu'il dit. Il sait que je vais l'accomplir. C'est pour cela que Josué dit, de toutes les bonnes paroles que l'Éternel a prononcées sur vous, aucune d'elles n'est restée sans effet. Aucune. Et Dieu parle. Il dit, qu'est-ce que j'ai fait? J'appelle dès l'Orient un oiseau de proie pour accomplir mes desseins. D'une terre lointaine, j'appelle un homme afin d'accomplir mes desseins. Et il dit, je l'ai dit. Et je les réaliserai. Le Dieu de la Bible qui t'a parlé, je ne sais pas dans la prophétie, je ne sais pas dans la lecture de la Bible, je ne sais pas pendant la prédication, comme c'est lui qui t'a parlé. Et ce qu'il a dit, il va réaliser parce qu'il a toute la capacité d'accomplir tout ce qu'il dit. Il a la capacité d'amener l'aboutissement, ce qu'il commence. C'est ainsi que la Bible dit, celui qui a commencé cette œuvre en vous, il la rendra parfaite. Notre Dieu n'est pas un Dieu des œuvres inachevées. Il accomplit tout ce qu'il dit. Fais-lui confiance. Il sait là où il t'amène. Fais-lui confiance. Il connaît ce qu'il a tracé pour ta vie. Il connaît ce qu'il te faut. Vous savez quoi? Vous, tel que vous êtes là, vous ne savez pas exactement ce qui vous convient, mais lui connaît ce qui te convient. Même si cela est contraire à ta volonté, mais il sait exactement ce qui te convient. Peut-être qu'il y a des choses que tu es en train de chercher parce que tu vois ici, mais lui voit là-bas. Lui voit là où toi tu ne vois pas. Et là où lui voit, il sait que quand tu vas finir ici, tu seras content. Même si au début, là, ça t'a fait mal, tu as dit, oh, mais qu'est-ce qui arrive? Est-ce que j'ai des démons? Ce ne sont pas des démons. Tout n'est pas démon. Tout n'est pas démon. Le problème, c'est toi, c'est que tout ce que toi, tu vois, ah, malédiction de la famille, oh, ceci, cela, tout n'est pas malédiction de la famille, tout n'est pas démon. Il y a des choses que Dieu fait parce qu'il sait là où il va t'amener. Il sait, c'est juste une procédure. Si Joseph, en étant vendu, revendu encore, si c'était toi, qu'est-ce que tu allais dire?
Oizaka koko nanga wana koko wana wana kaka koko wana neye. Tout n'est pas des mots. Il y a des choses que Dieu permet que ça t'arrive. Pourquoi? Parce qu'il veut atteindre un but. Dieu utilise les moyens qu'il veut. Il fait tout ce qu'il veut. Pourquoi? Parce qu'il est au-dessus. Oh my God. Dieu est au-dessus des sorciers. Il est au-dessus des magiciens. Ainsi, il peut utiliser même les magiciens là. Même les sorciers là. Il peut les utiliser pour que tu arrives là où tu dois arriver. Oui, c'est comme ça. Lève-toi, nous avons déjà débordé. Lève-toi, on prie. Oh my God. Est-ce que tu peux célébrer encore l'Éternel avec les acclamations? Oh, ta façon d'acclamer ne convainc pas. Non, 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 non. Ta façon d'acclamer le roi des rois ne convainc pas. Est-ce qu'on peut réellement acclamer l'Alpha et l'Oméga? On peut acclamer le souverain? On peut acclamer le Créateur? Pendant que tu l'acclames, il y a des choses qu'il accomplit dans ta vie. Oh, toi qui acclames, les hommes t'acclameront aussi. Oui, 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 oui. Les hommes t'acclameront aussi, toi qui acclames. Toi qui es debout, les hommes se tiendront aussi debout à ton passage. Le Dieu de la Bible va l'accomplir. Je déclare, pendant que tu acclames, les hommes t'acclameront aussi. Jésus est Seigneur.